Je m'appelle Antoine Mendy, je suis le chargé du projet USAID Aliwili, mis en place par CRS et ses partenaires que sont Caritas Ziguinchor et la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Un projet financé par l'USAID CMM. Nous sommes dans une zone assez particulière, une zone très enclavée, et le projet a choisi justement cette zone pour aider les populations à sortir de beaucoup, de plusieurs difficultés. Parlez-nous justement de la genèse des interventions du projet Albini ici, dans le Dingueray. Donc, comme vous le savez, ou bien comme on l'a si bien dit dans le lancement du projet, le projet a ciblé des zones où l'exploitation des eaux naturelles connaît un problème majeur, surtout ici, au niveau de la commune de Dingueray, avec les villages de Dobonkunda, Darukhoumen et Dingueray, où la coupe du bois est une chose vraiment, mais vraiment problématique. Rappelez-vous, ces temps passés, on a entendu parler de la mort, ou bien voilà, de la mort d'un agent des eaux et forêts, hein, qui a été tué ici par les exploitants frauduleux du bois. Donc, cette zone a été choisie particulièrement pour ces problématiques-là, pour travailler dans le sens de conscientiser les populations sur la nécessité de sauvegarde de ces ressources-là qui, au demeurant, sont leurs biens propres. Ces ressources-là les appartiennent. Hein? Donc nous sommes venus renforcer ce qu'ils ont et ce qu'ils doivent faire en matière de protection de l'environnement. C'est la raison pour laquelle la zone a été choisie. Qu'est-ce qu'ils doivent faire en matière de protection de l'environnement? Donc, dans le cadre du projet, nous avons ce qu'on appelle des formations de renforcement de capacité sur le genre, sur la GRN, la gestion des ressources naturelles, sur le leadership et la bonne gouvernance. Donc, quand on parle de GRN, il faut aussi une bonne gouvernance de l'environnement, sur aussi des thématiques comme, comment je vais appeler ça encore on a leadership bonne gouvernance, on a GRN, on a genre, on a gestion aussi des conflits, édification à la paix. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire le projet, comme son nom l'indique, Aliwili, Uyital, Umoudé. Levons-nous. Levons-nous pour quoi? Levons-nous pour la paix. Levons-nous pour travailler dans la paix. Levons-nous pour vivre dans la cohésion sociale, basée autour d'une gestion concertée et idoine des ressources naturelles. Ça veut dire quoi? Nous voulons renforcer cette appropriation des populations par rapport à leurs ressources naturelles. Donc ça veut dire qu'ils puissent exploiter de façon paisible leurs ressources. Et pour cela, dans chaque village, nous commençons à mettre en place ce qu'on appelle un CV, un comité villageois. Ce comité-là permet au sein du village de pouvoir faire des démarches internes dans le village, dans tout ce qui est problème, médiation et consort. Au niveau interne, c'est le CV qui gère ça. À notre niveau, on a ce qu'on appelle le CIV, le comité intervillageois, qui constitue la connexion entre les trois villages et qui travaille dans le sens de faire la médiation en cas de problème entre tel ou tel village, mais aussi renforcer aussi les liens entre les leaders de ces villages-là. Donc ce CIV-là a à sa tête un président qui s'appelle Goro Khouma, qui est ici aujourd'hui avec nous dans le cadre de cette mobilisation-là. Donc en dehors de ça, le projet aussi fournit aussi ce qu'on appelle un accompagnement dans la gestion des ressources naturelles. Ça veut dire quoi? Des reboisements. On forme les populations à ce qu'ils puissent savoir que si on a le droit de couper, on doit aussi reboiser. Parce que couper sans reboiser, ça veut dire quoi? On tend vers une déperdition des ressources. C'est la raison pour laquelle le projet a pu en ce sens-là pour pouvoir aider les populations à pouvoir reboiser davantage. En dehors de ça, il y a aussi ce qu'on appelle le projet connecteur. Quand on parle de CIV, donc c'est la connexion entre les trois villages. Donc pour faciliter cette cohésion-là, on met en place ce qu'on appelle un projet connecteur, qui, au jour d'aujourd'hui, ici dans la commune, est un projet d'embouche bovine. Hein? Comme vous le voyez derrière moi, nous avons des bœufs qui ont été achetés avec le projet, qui ont été confiés au CIV. Donc, chaque village a 4 bœufs. Chaque village gère 4 bœufs. Mais c'est géré par le CV. Mais le CV rend compte au CIV. Donc, le CIV, il gère l'ensemble des 3 projets qui sont dans les 3 villages. Ça veut dire les 4 bœufs qui sont dans chaque village.
Donc c'est le CIV qui coordonne la gestion de tout ça. Donc en gros, voilà ce que le projet fait. Est-ce que justement depuis 2016 que vous avez démarré à intervenir dans la zone, vous avez vu justement un changement dans justement la façon de collaborer les populations quand on sait que le but principal de vos interventions c'est le renforcement de la cohésion sociale? Je tenais à remercier d'abord l'organisation aujourd'hui de cette manifestation-là qui montre encore une fois l'engagement des populations. Ça veut dire organiser une telle manifestation où on a les villages de Dobonkunda, les villages de Darokhomen, les villages de Dingiray qui sont là, mais aussi les villages aussi qui sont aussi en territoire gambien qui viennent participer parce que aussi on peut en signaler aussi que aussi c'est une zone aussi frontalière de la Gambie. Hein? Donc le fait de pouvoir mobiliser l'ensemble de ces populations-là montre déjà l'appropriation que les populations font de ce projet-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire depuis le début, quand on est arrivé, si on prend par exemple l'aspect genre, hein, les hommes, les relations entre les hommes et les femmes, quand on est arrivé, ce qu'on avait trouvé et aujourd'hui ce qu'on a, je me rappelle quand je suis revenu ici avec le responsable de l'USAID au niveau de Ziguinchor, en l'occurrence Moussa Sow, quand on a eu un entretien avec les populations, ce qui ressortait, c'était une cohésion parfaite au sein des ménages. Hein? Je ne vais pas dire parfaite à 100%, mais une cohésion affirmée par les chefs de ménage, que sont les hommes, mais aussi les femmes, dans les relations qu'ils entretiennent maintenant avec leur mari. Et ça, auparavant, il n'y avait pas ça. Un homme nous a dit, avant, l'argent qu'il avait, ou bien l'argent qu'il récoltait, c'est lui qui gérait ça tout seul. Mais quand le projet est venu, avec les formations qui ont pu être faites, maintenant, quand il a de l'argent, avant de faire quoi que ce soit, il appelle sa femme et tous les deux discutent de comment ils vont dépasser l'argent. Donc ça, pour moi, c'est une avancée que le projet a permis de faire. Donc, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, la relation entre mari et femme s'est davantage solidifiée. Hein? Et donc ça, c'est grâce au projet. Autre chose aussi, c'est avec aussi le CIV qui, après avoir été mis en place, a commencé à faire des démarches dans les villages environnants, allant dans le sens de sensibiliser sur la nécessité de préservation des ressources de la forêt, surtout la forêt, parce qu'ici, la zone connaît une coupe de bois excessive. Et le CIV a pris les devants pour aller de village en village pour sensibiliser, parler et voilà, essayer de rallier ces villages-là à la cause de préservation des ressources. Et ça aussi, c'est grâce au projet qu'on a eu ça. Donc on félicite encore le CIV sur ça. Et voilà, nous sommes toujours derrière eux pour tout ce qui est renforcement de capacité dans le sens voilà, d'une meilleure gestion dans le cadre de ce projet-là.